Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence exceptionnelle puisqu'elle est organisée dans le cadre du workshop JWST qu'on vient d'avoir ici à l'IAP pendant 2 jours. Et c'était le workshop était pour préparer la communauté française à l'utilisation de ce télescope. Et puis on va clôturer cette conférence, ce workshop par la conférence publique que Pierre-Olivier a bien voulu accepter de donner ici. Et donc Pierre-Olivier est astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Il est spécialiste dans des exoplanètes, donc dans la détection et la caractérisation des exoplanètes. Il est aussi très impliqué dans le projet du James Webb puisqu'il est le co-PI de l'un des instruments, donc l'instrument MIRI. Il est le PI français et en ce moment il doit être très occupé parce que c'est la dernière ligne droite avant le lancement du James Webb. Bonne conférence. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du James Webb. La première chose, je commence en général mes présentations en replaçant le contexte de l'homme qui est un explorateur depuis de tout temps. Et là, vous voyez la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ce qui est super intéressant pour nous, c'est que l'homme a pu sortir de la Terre, aller dans l'espace. Et puis, il a même été sur la Lune. Donc ça, c'est une jolie photo de la Terre vue de la Lune. Donc c'est quand même une époque vraiment extraordinaire qu'on vit. Un peu plus loin, l'homme n'a pas encore été, mais il a envoyé des véhicules sur Mars, par exemple. Et comment faire pour aller voir encore ce qui se passe beaucoup plus loin, en dehors du système solaire, donc pour voir les autres étoiles, les galaxies? Eh bien là, il n'y a qu'une façon, c'est d'utiliser le messager qu'est la lumière. Donc on sort de l'atmosphère, on regarde toutes les lumières de l'univers et c'est comme ça qu'on a les informations sur ce qui se passe ailleurs, en dehors de notre système solaire. Et l'un des grands succès des 30 dernières années a été le Hubble Space Telescope. Vous avez certainement dû en entendre parler, vous avez certainement dû voir aussi toutes les découvertes qui ont été faites. Je suis sûr qu'il y a eu des exposés là-dessus. Donc tous les domaines de l'astrophysique ont été impactés par ce fabuleux satellite, télescope. Mais un des exemples, par exemple, c'est ici le champ le plus profond. Ça a été des observations pendant 1 million de secondes, 11 jours consécutifs sur le même champ, pour détecter les objets les plus faibles. Et donc ça a permis de connaître beaucoup mieux ce qui se passait loin de nous, c'est-à-dire plus tôt. Je pense que vous savez ce qu'est comment on voit actuellement l'évolution de l'univers. Donc au départ, il y a eu une sorte d'explosion, et puis ce plasma qui était très chaud a peu à peu refroidi. Il y a eu le fond diffus cosmologique qu'on a observé par Planck. Planck a eu ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur Planck et vous avez dû en entendre parler. Après, il y a eu ce qu'on appelle l'âge noir, sombre. Il n'y avait aucune lumière dans l'univers. Il était en train de se refroidir. Puis les premières structures se sont formées et ça a évolué jusque nous, les galaxies. Mais il y a toute une partie de l'évolution de l'univers qu'on appelle l'âge sombre, où on n'a aucune information sur ce qui s'est passé, comment les premières étoiles sont nées, les premières galaxies. Et c'est ça que le James Webb va essayer d'observer. C'est un de ses programmes scientifiques. Je rappelle ici pourquoi, quand on dit qu'on va regarder loin, on va regarder tôt. Par exemple, la lumière à une vitesse finie, on sait ça depuis Einstein, 300 000 km par seconde. Par exemple, la lumière, si on envoie un faisceau laser, par exemple, sur la Lune qui se reflète et revient vers nous, c'est en gros 1 seconde aller et 1 seconde retour. Le Soleil est à 8 minutes. Si le Soleil s'arrêtait, on le saurait 8 minutes après. L'étoile la plus proche de nous, c'est 4 ans. Donc, si on voulait communiquer avec quelqu'un qui serait là-bas, on enverrait un signal 4 ans après, et il serait reçu, et 4 ans après, on aurait une réponse. Et le centre de notre galaxie, c'est 26 000 ans.
Et la galaxie la plus proche, c'est 2,3 millions d'années. Donc, et puis, l'âge de l'univers, c'est de l'ordre de, là, on parle de 13,6 milliards d'années. Donc, dans cette évolution de l'univers, donc, Hubble a été jusqu'à à peu près cette sortie de l'âge sombre. Et donc, c'est le JWST qui va essayer de voir plus loin, donc plus tôt. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un télescope qui doit être plus grand, parce qu'on veut voir des objets plus lointains, donc la lumière est plus faible. Et on veut aussi un observatoire travaillant dans l'infrarouge. À cause de l'expansion de l'univers, la lumière est décalée vers le rouge. Donc ça, ça fait longtemps que c'était connu. Mais il a fallu du temps pour concevoir quelque chose qui soit réaliste, faisable. Et ce quelque chose, c'est le JWST, James Webb Space Telescope. C'est un télescope de 6,50 m, le miroir fait 6,50 m de diamètre, et il observe dans l'infrarouge, la gamme infrarouge, le 0,6 c'est le visible, et puis jusqu'à 28 microns, qui est un peu l'infrarouge moyen. Et ça va être lancé par une fusée Ariane l'année prochaine, et ça fonctionnera pendant minimum 5 ans et probablement 10 ans, voire plus. Et c'est un projet, c'est la mission phare de la NASA, avec participation de l'Europe, à travers l'ESA et du Canada. Alors, qui était James Webb ? J'ai souvent cette question. C'était le deuxième administrateur de la NASA, mais c'est celui qui a conduit le programme Apollo, qui a conduit à l'homme sur la Lune. Donc, en général, on donne les noms de satellites, les noms de personnes, une fois lancés. Ça, c'est une exception, et je pense que derrière ça cachait le fait de, on ne va jamais pouvoir arrêter un projet avec un nom pareil. Il y avait peut-être un peu de ça derrière le fait de mettre très vite un nom derrière ce grand télescope. Et en effet, il y a eu besoin de... Enfin, je veux dire, il a été très en retard, le JWST, il a coûté beaucoup plus cher que prévu, et à un moment, il a failli être arrêté, c'est pas passé loin, vu les surcoûts. Aux États-Unis, ils n'hésitent pas à arrêter des projets, c'est beaucoup moins le cas en Europe, mais là, c'est vraiment passé très près d'un arrêt. Alors ici, vous pouvez visualiser un peu la différence entre le Hubble Space Telescope, qui avait un diamètre de 2,40 m, et puis le JWST, 6,50 m. Et si on regarde, il y a une prouesse quand même technologique faite du côté des US, parce que la masse du télescope Hubble est plus grande que celle du JWST. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, le matériau, ce n'est pas du verre, c'est du beryllium, matériau léger. Et la deuxième raison, c'est que le JWST n'a pas sa forme fixe, parce que pour avoir une forme fixe, il faut quelque chose de lourd pour qu'il puisse être stabilisé. Derrière chaque hexagone, il y a des petits actuateurs qui lui permettent de donner sa forme, de modifier sa forme et donc de phaser tous ces petits hexagones pour faire une image de bonne qualité. Donc une fois qu'il sera lancé, il y aura toute une phase de phasage pour avoir la bonne image qualité. Donc c'est ça le secret pour pouvoir faire un miroir moins lourd, moins massif que celui du HST. Donc ça, c'est une photo du télescope dans la salle de la NASA au Goddard. Alors, autour de ce télescope, il y a des grands écrans thermiques. Pourquoi on met des grands écrans thermiques ? Pour éviter que la lumière aille toucher et donc chauffer le télescope. C'est un télescope infrarouge. Tout le monde émet de la lumière en infrarouge, on peut le voir avec la caméra, je montrerai un peu plus tout à l'heure. Et donc, on ne veut pas que le télescope soit chaud, on veut qu'il soit le plus froid possible pour ne pas émettre et gêner les observations. Et c'est pour ça qu'il y a des grands écrans
qui empêche la lumière du Soleil et même de la Terre d'atteindre le télescope et donc de le chauffer. Donc ça, c'est une raison pour ces grands écrans thermiques. Et la taille de ces écrans, c'est presque la taille d'un terrain de tennis, pour s'imaginer ce que ça va donner dans l'espace. Donc c'est la première fois qu'il y aura un télescope aussi imposant dans l'espace. Donc ça a été, il y a eu beaucoup de développement technologique justement pour le déploiement de ces écrans, et c'est une des causes du retard du JWST. Quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était en 98, donc ça fait plus de 20 ans. Le lancement était en 2011, donc maintenant c'est en 2021, 10 ans de retard, et le coût multiplié par 10. Donc comme beaucoup d'autres satellites, il va être lancé et va être au point qu'on appelle le point de Lagrange 2. C'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors quel est l'intérêt de mettre les satellites là? Alors ils ne sont pas exactement au point de Lagrange, ils sont en orbite autour du point de Lagrange. Alors l'intérêt, c'est que la gravité au niveau de ce point, si on fait la somme de la gravité du sol, de la force de gravité du Soleil et de la Terre, c'est la même qu'au niveau de la Terre, ça veut dire qu'ils sont en rotation synchrone. Donc ce point-là et la Terre tournent en étant toujours... Soleil, Terre et ce point-là sont toujours alignés. Donc ça permet justement de toujours bien protéger le miroir des rayons du Soleil et de la Terre. Ils sont toujours... Donc il ne sera vraiment pas question d'aller réparer comme le Hubble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les astrophysiciens, quand ils ont vu cette première image du Hubble, ils ont tiré la gueule. Je vais vous dire que ce n'est pas très très joli. Mais heureusement, il y a eu la NASA qui a été le réparer. Donc ça a coûté très cher, mais c'était aussi une prouesse technologique, montrer qu'on pouvait aller réparer le Hubble. Et après cette réparation, eh bien, vous voyez avant, après, ça a été... ça, c'était le Hubble que les astrophysiciens voulaient. Donc, et après ça, il a pu faire des tas de découvertes. Donc, je viens un peu plus en détail sur qui fait quoi. Alors, le lanceur, c'est une Ariane, c'est l'ESA qui est en charge du lanceur. Il n'y avait pas l'équivalent aux États-Unis, donc c'est une Ariane qui va le lancer. Dans la coiffe d'Ariane, c'est trop grand pour être lancé, déployé, évidemment, donc il est complètement replié, il va se déployer une fois dans l'espace, et à la fin, je vous montrerai un petit film pour montrer ce déploiement, qui signifiera quelques nuits où on dormira mal pendant que tout ça va se déployer. Parce que vous allez voir, c'est impressionnant. Au niveau du télescope, c'est la NASA qui s'occupe du télescope, des écrans, du satellite. L'Europe s'est positionnée au niveau des instruments, c'est-à-dire ils sont derrière le miroir primaire, et il y a quatre instruments. Un instrument qui va faire NIRCam, qui va faire des belles images. Cet instrument est fait aux États-Unis. Un spectromètre NIRSPEC qui est fait en Europe, c'est l'ESA qui est en charge de cet instrument, avec beaucoup de développement dans l'industrie. Tout ça, c'est aussi dans l'infrarouge moyen, l'infrarouge proche, 1,5 microns. Il y a un instrument canadien, c'est aussi pour... il va servir à guider les observations, le télescope, pour qu'il pointe bien et qu'il reste bien pointé. Et puis l'instrument MIRI, qui est fait à la fois par un consortium de laboratoires américains et européens. C'est dans ce consortium-là que je travaille. Et donc, on a construit cet instrument dans la gamme 5,28 microns. C'est l'infrarouge dit moyen. Donc voilà pour la section observatoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle au sol, le ground segment, le segment sol. C'est là où les données arrivent et sont traitées et après distribuées à la communauté. C'est aux États-Unis, à Baltimore, et il y a l'ESA qui a 15 personnes là-bas pour participer à ces développements dits de ground segment. Je peux faire avec ça.
Donc voilà une vue des quatre instruments. Voilà. Alors ça, c'est évidemment l'instrument qui est cher à mon cœur, c'est le MIRI, avec les différents pays européens qui y participent. Alors une des particularités, c'est alors que le télescope et les autres instruments sont refroidis passivement, c'est-à-dire une fois dans l'espace, ils émettent et se refroidissent, les détecteurs de MIRI doivent être beaucoup plus froids, comme c'est à plus grande longueur d'onde. Donc il y a une machine pour faire le froid qui a été développée aux US et cet instrument sera refroidi à 7 degrés Kelvin, donc moins 260, très très basse température. Alors ces projets, c'est des projets internationaux, et là on a dessiné un peu ce qu'on appelle le voyage de MIRIM, c'est-à-dire la partie qu'on a faite au CEA en collaboration avec d'autres labos de la région parisienne, le LESIA à l'Observatoire et l'IAS à Orsay. Donc il a, voilà, donc on l'a intégré à Saclay. Après on l'a livré à nos collègues du Royaume-Uni. Là, il a été intégré avec l'autre partie de l'instrument, qui est un spectrographe. Nous, on a livré en 2011. En 2013, il a été envoyé en avion dans un centre NASA au Goddard, près de Washington, où là, il a été intégré avec les autres instruments et avec le télescope. Ensuite, il a été transporté aussi en avion à Houston. C'était au moment où il y a eu l'ouragan, d'ailleurs, où il y a eu les tests, mais il était un peu... Enfin, le laboratoire était un peu surélevé, donc il n'y a pas eu de dégâts, mais c'était un peu limite. Et il est maintenant en Californie, où là, le télescope et ses instruments ont été intégrés avec le satellite et les écrans thermiques. Et bientôt, la prochaine étape, fin de l'année ou début de l'année prochaine, il sera envoyé par bateau à Kourou, où il sera lancé par la fusée Ariane. Et après, il va y avoir le déploiement dans l'espace, et les données arriveront un peu partout, et notamment à Saclay, où on voudra évidemment faire nos programmes d'observation avec MIRI et les autres instruments. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de la taille de ce miroir. Donc vous voyez ici les personnes, c'est à Houston. Ça, c'est la porte à travers laquelle on rentre ce télescope avec les instruments pour le tester dans les conditions qui seront celles dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut faire le vide et il faut refroidir tout ce télescope. Donc ça a été vraiment, pour construire ce grand cryostat, ça a été du boulot. Et voilà maintenant l'étape où les écrans ont été ajoutés. Alors là, ils sont complètement repliés et ils vont être déployés dans l'espace. Et en dessous, il y a le satellite. Donc tout a été testé. Maintenant, il va y avoir, dans les mois qui viennent, des tests de vibration, puisque quand c'est envoyé avec la fusée, ça vibre vraiment terriblement, et il faut vérifier que rien va être cassé pendant ce lancement. Et donc, on simule les vibrations au sol, et on espère que tout va bien marcher. Tout a été fait pour, c'est-à-dire que chaque sous-système, le télescope avec ses instruments a été vibré, les écrans ont été déployés aussi vibrés, donc normalement tout devrait bien se passer, mais c'est la dernière étape cruciale avant le lancement, qui sera donc fait par la fusée Ariane. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu de la science qu'on va faire avec ce télescope géant. Donc il y a quatre thématiques. Il y a la thématique qui concerne aller voir très loin dans l'univers, très tôt, très loin donc très tôt, c'est-à-dire on appelle ça les premières lumières, et ces premières lumières vont avoir des photons, notamment UV, il va y avoir une rayonisation de
l'univers. Donc ça, c'est un premier thème. Un deuxième thème, c'est l'évolution des galaxies, comment les galaxies s'assemblent. Un troisième thème, c'est la naissance des étoiles et les systèmes protoplanétaires. Et enfin, un dernier thème, c'est les exoplanètes avec l'origine de la vie. Mais on va voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, donc, en dehors de cet aspect, aller voir plus loin, et pour aller voir plus loin, à cause de l'expansion de l'univers, il faut aller dans l'infrarouge. Il y a d'autres raisons pour aller dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est au-delà du rouge. Ça a été découvert notamment par Herschel, et chacun peut, dans son jardin, s'il dispose de quelques thermomètres et d'un prisme, il peut regarder que... au-delà du rouge, ben, ça chauffe un thermomètre, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, et donc c'est comme ça que ça a été découvert la première fois. Et on peut mettre en route la caméra pour faire quelques expériences avec cette caméra. Voilà. Donc, première expérience, c'est... oui, en général, ce que je fais, j'éteins la lumière et on voit encore exactement la même chose parce que ce n'est pas la réflexion de la lumière visible sur les objets qu'on voit, c'est vraiment l'émission. Tout le monde émet de l'infrarouge et donc c'est ce qu'on voit là. Et on mesure en gros la température. Alors, je suppose que quand je mets mes lunettes, il doit y avoir un effet... Et vous savez d'où ça vient ? C'est simplement les lunettes, on pense que c'est transparent. En effet, dans le visible, c'est transparent. Mais dans l'infrarouge, ça arrête l'émission qui vient de mes yeux. Donc c'est pour ça qu'on voit quelque chose de froid. Une autre expérience intéressante, c'est avec ce sac plastique. Donc voilà ma main. Normalement, là, en visible, on ne voit plus rien, mais en infrarouge, on voit toujours ma main. C'est simplement parce que ça arrête la lumière visible. Ce n'est pas transparent visible, par contre, c'est transparent à la lumière infrarouge. Donc, c'est un peu l'effet inverse que les lunettes qui arrêtent. Ça laisse passer. Donc, voilà, il y a des tas d'autres petites... petite manip qu'on peut faire avec cette caméra, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, on va continuer après avoir vu ça. Hop. Donc, on va revenir à l'ordinateur. Voilà. Et donc, vous avez vu là, en réel, ce qui est montré dans cette image. Et pour voir un équivalent, cette fois-ci, en astrophysique, quand vous regardez le ciel, si vous êtes dans un bon site, vous pouvez voir la Voie lactée, et vous voyez des nuages, un peu comme cela. D'ailleurs, si vous êtes une expérience que j'ai beaucoup observée au Chili, et il y a tellement d'étoiles, le ciel est tellement étoilé que les anciens... se repérer pas avec des constellations, mais avec les nuages, justement. Et l'image à côté, c'est la même image, mais cette fois-ci en infrarouge. Donc on traverse, on voit derrière ce nuage, et on voit qu'il y a des tas de sources qui sont là. Donc on voit vraiment des choses différentes dans le visible ou en infrarouge, et il y a aussi les autres longueurs d'onde. Donc pour avoir une vision complète de l'univers, il faut le regarder dans toutes ces couleurs. Alors, mon sujet, c'est les exoplanètes. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je vais faire avec le JWST. Mais avec une question, mais on ne va pas y répondre tout de suite, mais on avance. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors, si on remonte aux anciens, aux philosophes, il y avait déjà deux théories. Épicure,
et qui disait « Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. » Et de l'autre côté, il y avait Platon et Aristote, qui pour eux, c'était un monde unique, un système géocentrique. Donc il y avait déjà ces deux visions. Les théologiens avaient aussi ce double aspect, puisque d'un côté, Albert le Grand disait « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas créé d'autres mondes habités ?» Et saint Thomas de dire « Ah, mais si Dieu avait créé d'autres mondes, soit ils sont tous pareils et c'est incompatible avec l'économie de la sagesse divine, ou deux, tous différents, et donc c'est incompatible avec la perfection de l'acte divin. Donc un seul monde, le nôtre. » Donc c'est... Bon, alors, déjà, le premier pas pour avancer dans cette direction, il a fallu attendre 1995 pour avoir la première exoplanète, c'est-à-dire une planète autour d'une étoile autre que le Soleil. Jusqu'à 1995, on ne connaissait que les planètes dans notre système solaire et on ne pouvait pas dire en tant que scientifique si il y avait des planètes autour d'autres étoiles. Ça a été vraiment un tournant dans toutes ces études d'exoplanètes et ça a été récompensé il y a Peeble pour l'aspect cosmologique et Michel Mayor et Didier Queloz pour l'aspect exoplanète. Et cette première exoplanète a été détectée à l'observatoire de Haute-Provence. Donc c'était grâce à un instrument sur cet observatoire que Didier Queloz et Michel Mayor ont détecté la première exoplanète. Et aujourd'hui, on en connaît plus de 4000. Et le premier mot qui vient quand on parle d'exoplanètes, de toutes ces découvertes, c'est la diversité. Franchement, on a trouvé des exoplanètes, on n'imaginait pas que ça pouvait exister. Par exemple, on a trouvé, c'était la première, un Jupiter très chaud parce qu'il était très très proche de l'étoile. Donc ça, c'est la première une surprise. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des géantes tout près de leur étoile, et quand je dis tout près, c'est plus près que Mercure, c'est vraiment très très proche. Et pourquoi on pensait qu'il n'y en avait pas? Parce que dans les formations d'exoplanètes, c'est formé dans un nuage de gaz et de poussière, et il faut suffisamment de matière pour faire ces planètes, et pour avoir suffisamment de matière, on ne peut les faire qu'assez loin de l'étoile. Donc, première observation, première surprise. On a après trouvé la raison, enfin des modèles pour expliquer pourquoi elle était si proche. On s'est dit, quand elle s'est formée, il y avait encore de la poussière et du gaz, ça a fait une sorte de friction, et elles se sont rapprochées comme ça de l'étoile. Mais d'où la question suivante, pourquoi on a, nous, dans notre système solaire, les géantes qui sont là où elles sont? Donc, voir un autre système nous permet de voir notre système sous un autre regard. Et la raison, il y a eu des modèles qui se sont développés, eh bien, c'est parce qu'on a à la fois Jupiter et Saturne, il y a eu des effets entre les deux, des forces entre les deux, qui ont fait que finalement, ils ont commencé par se rapprocher et puis après, ils se sont rééloignés et stabilisés là où ils sont. Donc, c'est toujours intéressant de voir d'autres systèmes pour apprendre sur notre système. Donc ça, c'était une première découverte. Après, maintenant, ce qu'on peut dire... Alors ça, c'est pour montrer la diversité. En gros, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la taille de l'exoplanète et où elle tourne autour de son étoile. Donc, il y en a qui sont très proches, qui tournent très vite, il y en a qui sont plus grosses, plus loin. Donc, c'est pour montrer la diversité, donc très grande diversité. Et on sait aujourd'hui qu'il y a, statistiquement, vu ce qu'on a détecté jusqu'à présent, on peut dire que dans notre galaxie, il y a plus de planètes que d'étoiles, parce qu'une étoile peut avoir plusieurs planètes, comme on le sait. Mais donc, c'est l'aspect d'ubiquité des exoplanètes, c'est le deuxième message qu'on peut retirer de ces premières observations d'exoplanètes.
Donc on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'exoplanètes. Après, c'est de savoir comment, d'où vient cette diversité, comment elles se sont formées, et est-ce qu'on a des équivalents de la Terre. Donc on a fait des progrès dans la détection, parce qu'au départ, c'était que les géantes, et maintenant, on peut, notamment à travers une méthode qui s'appelle la méthode dite des transits, c'est-à-dire que quand une exoplanète passe devant son étoile, eh bien, elle cache une petite partie de la lumière, et donc on voit une diminution, mais très faible, c'est pour ça que c'est des observations très difficiles, une diminution très faible du flux. Donc, par exemple, sur ce graphe, vous avez ici en gros le temps, donc la planète ne passe pas devant l'étoile, elle commence à passer devant et la luminosité de l'étoile apparaît moindre et après elle s'éloigne. Donc grâce à ça, on a pu détecter des terres, jusque des terres, mais simplement autour d'étoiles, de petites étoiles, pas d'étoiles comme le Soleil. On n'a pas encore trouvé des terres dans la zone habitable comme la Terre autour du Soleil. On a trouvé des planètes rocheuses, mais autour d'étoiles naines, de toutes petites étoiles, un peu plus grosses que Jupiter. Et donc le système actuellement qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle TRAPPIST-1, avec cette série, ça c'est évidemment une vue d'artiste, cette série d'exoplanètes, celle-là qui est la plus chaude, puisque la plus près, qui est autour de 400 degrés Kelvin, 100 degrés Celsius, et puis d'autres plus froides qui reçoivent à peu près le même flux que la Terre. Donc on dit que c'est dans des zones où il pourrait y avoir de l'eau liquide. On pense que l'eau liquide est quelque chose de nécessaire pour le développement de la vie. Donc on dit que c'est habitable, ça ne veut pas dire que c'est habité, etc. Le mot n'est pas très bien choisi parce qu'on se dit tout de suite habitable, habité, mais non, c'est que simplement, ça veut simplement dire qu'il y a de l'eau qui peut être liquide. Si elle est trop près, c'est trop chaud et c'est vapeur, si elle est trop loin, c'est de la glace. Donc ce sont des systèmes tout à fait intéressants qui vont être regardés avec le JWST. Et pourquoi ces observations sont plus facile autour des petites étoiles, parce que cette zone habitable, comme il y a moins de flux qui est émis par l'étoile, puisqu'elle est petite, pour avoir le même flux que sur la Terre, il faut être beaucoup plus proche, puisque le flux diminue quand on s'éloigne de l'étoile. Donc, ces exoplanètes autour des petites étoiles sont plus facilement observables, et on va les observer avec le JWST, notamment pour. On va commencer par TRAPPIST-1. Donc, il y a un scientifique, Drake, qui a dit on va essayer de mettre en équation, pour résoudre la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Et donc, on avance dans cette équation. Alors, la première chose, c'est le nombre d'étoiles dans notre galaxie, donc ça, c'est bien connu. Maintenant, on connaît la fraction de ces étoiles possédant des planètes. Après, on commence à connaître, pas encore complètement autour de toutes les étoiles, mais le nombre de planètes potentiellement propices à la vie, c'est-à-dire ce qu'on est habitable au sens où il peut y avoir de l'eau liquide. Et après, il y aura quelle est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement. Et alors là, on n'y est pas encore, mais on commence à étudier les atmosphères, et dans un avenir, alors là, c'est toujours difficile à dire, les choses peuvent avancer très très vite ou pas, mais on a déjà des idées pour essayer d'aller voir des atmosphères de planètes type Terre autour d'étoiles comme le Soleil, mais il va falloir attendre encore quelques années. Pour l'instant, on se concentre sur les exoplanètes dans des zones habitables autour d'étoiles naines. Et puis, alors après, il y a d'autres questions. Là, on n'est pas prêt d'y répondre. La fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire intelligente, et fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, parce qu'il ne suffit pas... Il faut qu'on puisse le savoir.
Et puis, quelle est la vie moyenne d'une civilisation ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se détruire ? Et donc, ça veut dire qu'une civilisation comme la nôtre ne dure pas si longtemps que ça. Et si ça ne dure pas longtemps, la probabilité d'en trouver une est beaucoup plus faible. Donc, voilà où on en est dans ces recherches. Et on a pas mal avancé. Le JWST va commencer à essayer de voir les atmosphères pour commencer à étudier si on pourrait un jour voir des signatures, des biosignatures. En général, on dit, regardez la Terre, il y a de l'ozone. Sur les autres planètes, Vénus ou Mars, il n'y a pas l'ozone. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au début, les scientifiques se disaient, on va chercher l'ozone et puis on va pouvoir voir si c'est habité, mais c'est pas si simple. On peut créer de l'ozone, surtout autour d'étoiles naines, par d'autres moyens que des biosignatures. Donc il faudra vraiment beaucoup de recherches encore pour pouvoir dire qu'il y a des biosignatures dans d'autres planètes, enfin dans des planètes en dehors de notre système solaire. Donc je voulais maintenant vous montrer le film du déploiement. Donc après avoir vu ces quelques perspectives sur ce que va pouvoir faire le JWST, je voulais vous montrer qu'avant d'en arriver là, il va falloir le lancement. Et voilà ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, quand vous serez devant votre télé, vous pourrez vous souvenir de votre présence ici. Et quand ils mettront le... Ah oui, il faut que j'arrête le PowerPoint. Donc, il faudra un mois pour atteindre le point de Lagrange. Mais... Et après, il faudra attendre. Une fois qu'il sera arrivé au point de Lagrange, il y aura les instruments qui seront testés. Donc ça prendra 6 mois. Il faudra que ça se refroidisse et que les instruments soient testés. Et les observations scientifiques que 6 mois après le lancement. Bon, alors, on va faire décoller, hein. On va faire décoller cette fusée. Bon, on a attendu 10 ans, hein, donc... donc on peut encore attendre un peu. Oui, c'est Ariane 5. Oui, c'est encore Ariane 5. Dommage, parce qu'on entend en français 10, 9... Voilà, donc ça, normalement, vu le taux de succès d'Ariane... On n'a pas de crainte, mais ça sera quand même... Alors, j'ai vu les gens d'Ariane, ils ont quand même dans leur coiffe un objet qui vaut 10 milliards de dollars. Donc, ils prennent toutes les précautions. C'est bien assuré. Non, ce n'est pas assuré. On ne peut pas assurer. On ne peut pas assurer des prix comme ça... Donc voilà le lancement. Ouais, c'est poussif. Hein. Donc il va y avoir les boosters. Donc, j'ai encore jamais été voir un lancement de fusée, ça sera le premier, mais tous ceux qui ont été sont vraiment impressionnés hein, par le bruit. Oui. Donc, tout ça, c'est du classique. Donc, après, la coiffe va s'ouvrir et vous voyez le JWST complètement replié. Pour pouvoir être dans la coiffe. Et il va se déployer une fois découplé de la fusée.
Voilà, c'est fait. Hop. Donc c'est le relais est pris. Et voilà, il va pouvoir commencer à se déployer. C'est presque du temps réel. Hein. Donc ce qu'on voit là sur le côté, c'est les écrans thermiques pour protéger donc des rayons du soleil de la Terre. Et puis on voit les hexagones là sur les côtés qui vont se déployer aussi. Ça y est, il est livré à lui-même, là. On espère qu'il... Donc, c'est important qu'il soit sur la très bonne trajectoire parce qu'il a la possibilité de changer un peu la trajectoire, mais on veut garder le plus possible de réserve pour qu'il dure très longtemps. Donc, l'injection. Donc, la première chose, c'est les panneaux solaires. Il faut de l'électricité. Donc, les panneaux solaires se déploient. Ça, c'est assez classique. Donc il y a quelques petits ajustements de trajectoire possibles pour aller au point de Lagrange L2. Donc il s'éloigne. Il va très vite aller au-delà de la Lune. Aller observer l'univers. Et c'est là où on va passer à la partie US, qui est vraiment le déploiement. Une fois le lancement effectué, ça va être le déploiement. Donc ça, c'est quelques objets pour faire patienter. Très jolies images, d'ailleurs, du Hubble. Voilà, donc ça c'est la boîte américaine qui fabrique les écrans et le satellite. Du coup, je pense que je vais arrêter l'autre en même temps. Voilà, oui, ça va nettement plus vite. Voilà, c'est mieux. Voilà la séparation, et puis on retrouve 30 minutes après le lancement. C'est à 10 000 km. Donc vous voyez le temps. Ça, vous l'aurez vu trois fois, donc les panneaux solaires se déploient. Donc ici, hein, vous voyez par rapport à la Lune, la distance de la Terre, donc la Lune est là. Bon, après, il y a l'antenne pour communiquer qui se déploie, ça aussi c'est du classique. Donc là, donc à peu près 12 heures, il est au niveau de la Lune. Donc il y a des petites corrections de trajectoire, si besoin. On espère le minimum. ...20 heures après le lancement, donc dépasse la Lune.
On va pouvoir communiquer. Et les choses sérieuses ont commencé. Deux jours après, encore quelques corrections. Voilà, donc là, c'était Apollo 13, le plus loin où l'homme a été. Et voilà, ça commence à... Donc les grands écrans, pour empêcher la lumière du Soleil et de la Terre d'atteindre le télescope pour qu'il puisse être le plus froid possible. Donc il sera au moins de 50 K. On est à 3 jours. 3 jours après le lancement. Donc, et non seulement il va donc se déployer en plusieurs couches, mais aussi donc il va être en extension. Donc moi, quand j'ai commencé, on m'a dit il ne faut pas de mécanisme dans le spatial. Et là, il y en a une cinquantaine. Donc là, ça monte par rapport au satellite qui est en dessous. Voilà, on voit les membranes qui se déploient, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est un zoom sur le déploiement. Et voilà, donc ça sera une étape 5 jours après, ce sera une étape cruciale, le déploiement de ces écrans. Donc il y en a un premier, et puis il y a l'équivalent de l'autre côté. Et donc ça, je rappelle, ça fait la taille quasiment d'un terrain de tennis, hein, c'est énorme. Et pour bien empêcher, parce qu'eux vont être chauds, puisqu'ils vont recevoir le soleil, et il faut plusieurs couches pour justement que la température de la deuxième couche, troisième, quatrième et cinquième couche soit diminue, puisqu'on ne veut pas que ça soit trop chaud, sinon le télescope verrait aussi du chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches, et à chaque couche, la température est un peu plus froide, et la dernière couche, c'est tout à fait acceptable. Donc ça sera vraiment une étape cruciale. Et donc 5-6 jours après, donc ça fera déjà quelques nuits sans beaucoup de sommeil, je pense, pour ceux qui ont travaillé dur pendant des années sur ce télescope. Ensuite, même les hexagones, les 6,50 m, ça ne rentrait pas dans la coiffe, donc il a fallu mettre 3 hexagones d'un côté, 3 de l'autre, et ils vont se déployer pour faire le télescope en entier. Alors avant, il va y avoir le miroir secondaire. Qu'est-ce qu'on appelle le miroir secondaire? C'est-à-dire la lumière du cosmos arrive sur le miroir dit primaire, va se réfléchir donc sur ce miroir, qui a une forme de façon à ce que tous les rayons réfléchis pour un objet quasiment à l'infini, passe par le miroir dit secondaire, et ce miroir secondaire continue à faire converger les rayons qui passent à travers ce trou-là et vont derrière où il y a les instruments. Donc l'instrument MIRI, notamment, où on a participé à sa construction, sera là derrière ce télescope primaire. Donc voilà le déploiement des trois segments, hexagones. On aura les 3 autres de l'autre côté. Donc là, ça fait 14 jours, hein, 14 jours pour que tout se déploie. Et après, on va attendre qu'il refroidisse, notamment pour MIRI. MIRI, ça sera le dernier instrument qui sera... Donc très très vite, là, après ces 14 jours, en un mois, ça arrive au point de Lagrange.
donc 1,4 million de kilomètres, presque 1,5. Et là, il va se mettre en orbite autour de ce point de Lagrange. Puisque quelquefois, j'ai la question, au point de Lagrange, ben, comme le Soleil, la Terre et le télescope sont alignés, la Terre fait de l'ombre au Soleil et il n'y a pas possibilité de recharger les batteries. Donc c'est pour ça que ce n'est pas au point de Lagrange, mais en orbite autour du point de Lagrange. Voilà, donc ça, c'est les différentes orbites. Voilà, un mois après, il sera, on commencera à faire la recette sur le ciel, après quelques angoisses, probablement. Voilà, donc dans l'année prochaine, on devrait avoir tout ça et commencer des observations uniques avec ce télescope James Webb. Je vous remercie. S'il y a des... Merci Pierre-Olivier pour cette super présentation et ce déploiement en temps réel qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on commence ici. Bonsoir, merci. Pourquoi a-t-on pris vraiment l'énorme risque de le positionner à un endroit où il n'est pas du tout réparable ? Alors que Hubble, si c'est pour une question de soleil, Hubble il est très bien placé et il n'a jamais subi aucun dommage de ce côté-là. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas dans l'infrarouge. C'est à cause de l'infrarouge. C'est parce que c'est un télescope infrarouge, oui. Et donc, il faut vraiment le protéger des rayons. Vous vous rendez bien compte que, vous savez, je crois qu'il y a une centaine de séquences qui doivent se déployer les unes après les autres. S'il y en a une qui ne marche pas, c'est les 10 milliards, ils sont à la poubelle. Hein. Mais c'est une des raisons du retard. Tout a été testé à tous les niveaux, sous-système, système, pour éviter ce problème de panne lors du déploiement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Quel est le premier objectif à regarder avec le James Webb ? Alors, c'est un observatoire. C'est-à-dire qu'il y a deux types de missions. Il y a des missions comme Planck où il y a un objectif et il y a un balayage, par exemple, de tout le ciel pour cet objectif. Comme le Hubble Space Telescope, le JWST est un observatoire, c'est-à-dire que les astrophysiciens doivent faire des demandes de temps, disant je veux observer tel objet pour telle ou telle raison. Alors, en général, il y a beaucoup plus de temps demandé que de temps possible. Donc, il y a des comités d'experts qui évaluent les demandes de temps et qui font une priorité. Quand on construit un instrument, comme nous, on a la chance de pouvoir bénéficier de temps garanti, de temps d'observation garanti. Alors, ce n'est pas énorme, mais nous, pour MIRI US et Europe, c'est 900 heures d'observation où on peut conduire nos programmes. Mais... Non, au total. Donc ce n'est pas énorme, mais non, certains ont un retour meilleur, mais ça permet de faire quelques programmes risqués et après de demander du temps ouvert en ayant déjà des observations, des résultats. Donc, et l'autre avantage, c'est qu'on connaît bien l'instrument, donc on peut aussi essayer de le pousser dans ses limites, de cibler, etc. Alors, la date officielle, c'est le 31 mars, enfin, en mars 2021. Mais, donc l'année prochaine. Par contre, donc il y a un certain nombre de tâches et il y a toujours un peu de marge, mais la marge actuelle, c'est simplement de l'ordre de 2 mois. Donc, compte tenu qu'il peut encore y avoir des tâches qui durent un peu plus longtemps que prévu, il se pourrait qu'il soit retardé. Mais on pense que ça sera en 2021. Donc l'année prochaine, enfin, on verra. Une question, s'il vous plaît, concernant les actuateurs. Donc, font des corrections extrêmement fines. Oui. Mais comment, d'accord, ça marche, ça, on l'a expérimenté ailleurs. Mais le déploiement, justement, des deux côtés,
c'est de la mécanique grossière comparée aux actuators. Comment oui. peut-on s'assurer de la précision de ce déploiement comparé aux actuators? Je pense que là, il doit y avoir des sortes de butées. Il n'y a pas besoin de, Après, je pense que ça peut être repris aussi au niveau de chaque hexagone. Donc, il y a les possibilités de faire global. Mais j'avoue que je n'ai jamais regardé ça en détail. Un tel déploiement, je pense que c'est, ça ne peut pas être précis au-delà du dixième de millimètre, peut-être. Oui. Alors que les actuateurs, c'est de l'ordre du micron. Ah oui, même mieux. Même mieux. Parce que comment là, peuvent-ils contrôler la précision grossière du déploiement des côtés du télescope? Je me demande si, avec les actuateurs, il n'y a pas aussi la possibilité de faire... de corriger cet aspect-là, de grossier, c'est les actuateurs qui doivent, d'après moi, faire tout le travail. Y aurait-il plusieurs actuateurs par... Oui, il y en a trois. Par hexagone. Ah d'accord, ok. Donc ça donne une flexibilité. L'un des trois ou les deux des trois peuvent assurer une... Je pense que c'est ça. Je n'ai jamais regardé moi-même cette question, mais je pense que c'est ça, c'est au niveau des actuateurs. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, on va essayer de remonter plutôt dans l'univers, c'est ça? Donc, on estime qu'on va arriver à quelle distance? Enfin, aujourd'hui, quelles sont les projections? On parle plutôt donc, on pense arriver à quelques centaines de millions d'années-lumière après le Big Bang. Actuellement, on est plutôt à... Enfin, on est en dessous du milliard, mais on veut vraiment aller un peu plus loin. Peut-être une dernière question? Oui. Si ce n'est pas abusé, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Oui, vous m'avez dit, on va s'intéresser aux exoplanètes. Alors, est-ce que le James Webb aura la possibilité de voir enfin des planètes de la taille de la Terre? Parce que je crois qu'on n'en a pas encore vraiment trouvé avec Kepler. Et est-ce que c'est dans son domaine de détection? Alors, le JWST ne va pas faire de la détection, il va faire de la caractérisation. C'est-à-dire qu'il va regarder celles déjà connues. Ah, celles déjà connues. Et on en connaît déjà qui ont la taille de la Terre. Mais ce n'est pas autour d'étoiles comme le Soleil, disons. Oui, c'est autour d'étoiles plus petites, rouges, d'étoiles naines. Ouais. Et donc il y a notamment les trappistes. Et ce que va vraiment faire le JWST, on est dans la deuxième étape, dans le deuxième chapitre d'étude des exoplanètes. Ce n'est plus tellement la détection, il y a encore des missions comme Plateau qui vont s'orienter sur la détection, notamment ça sera la détection de Terre cette fois-ci, comme les nôtres, c'est-à-dire de Terre. De la masse de la Terre, mais autour d'étoiles comme le Soleil. Pour l'instant, on va étudier avec le JWST celles qui existent déjà, mais autour d'étoiles naines. Ah oui, compris. Donc d'accord. Juste un commentaire. Moi, j'adore Hubble et les photos de Hubble. Vous croyez que le James Webb, il va donner des photos aussi extraordinaires parce qu'il n'est pas dans le visible? Alors, Hubble a fait énormément pour l'astronomie vis-à-vis du grand public. Oui, mais la qualité d'image, en gros, dépend de la longueur d'onde et de la taille du miroir. Donc, dans l'infrarouge proche, compte tenu de la taille du miroir, en gros, trois fois Hubble, si c'est une longueur d'onde trois fois plus grande, on aura la même qualité d'image, en gros. Donc, pour l'infrarouge proche, on aura des images de la même qualité que Hubble. À plus grande longueur d'onde, ça ne sera pas la même résolution. Par contre, on n'a rien. Je veux dire, le précédent, c'était Spitzer, qui faisait 80 cm. Donc, le gain par rapport à ce qui existait avant avec le JWST dans l'infrarouge est énorme. Et donc, je ne sais pas si je peux le montrer, mais j'ai une image vue par Spitzer et une image
prédites pour le JWST, pour des disques, et on voit très nettement que le gain en résolution. Donc ça, c'était ce qu'on peut voir actuellement dans l'infrarouge moyen avec le spatial, avec Spitzer, et ça, c'est ce qu'on prédit avec le JWST. Donc un énorme gain en qualité image. Alors, à partir du sol, on a déjà des 8 mètres. Il y a quelques fenêtres dans l'infrarouge moyen, mais là, le gros avantage d'aller dans l'espace pour l'infrarouge, c'est qu'on n'a pas l'atmosphère qui nous gêne, et ça nous gêne plus dans l'infrarouge parce que ça émet beaucoup. Donc, on aura à la fois la qualité image qu'on peut faire dans les fenêtres du sol, plus un énorme gain en sensibilité. Mais on n'aura pas les piliers de la création. On les aura dans une autre longueur d'onde. On les aura. On les aura, ça sera joli en plus. Non, il y aura des S'il n'y a pas une images. Dernière question rapide. Oui, dernière question. Hubble est caractérisé par des tas de bruits, de rayons cosmiques et autres dans l'optique, dans les rayons optiques. Est-ce qu'en infrarouge, vous aurez la même pollution ou plus importante, ou donc un niveau de process des images plus difficile et plus important que sur le Hubble? Donc on sera aussi, les détecteurs sont aussi sensibles aux rayons cosmiques. Donc on ne pourra pas faire des pauses trop longues. Et il y a ce qu'on appelle des ramps, c'est-à-dire qu'une pause, on peut lire ces détecteurs de façon non destructive et on voit le signal monter. Et s'il y a un rayon cosmique, on voit à un moment un saut. Et après, ça repart à monter. Donc on peut identifier comme ça les rayons cosmiques. Et on peut même essayer d'utiliser les pentes des deux côtés pour quand même pas perdre toute l'exposition. Alors, c'est variable, mais le plus petit, c'est 0,16 secondes. Et après, on limite à 1000 secondes à cause des rayons cosmiques. Et après, on empile, oui. Ça peut être pour ce qu'on appelle les... Si on va aller voir très loin, ben là, c'est des heures. Merci à tous, et on va remercier Pierre-Olivier une dernière fois. Merci.